Bonjour. Aujourd'hui, je vais de Carcassonne à Lavalette. Je vais vous faire mon petit topo maintenant, je suis quasiment arrivée à Lavalette. Alors aujourd'hui en fait c'était ma journée de test. C'est-à-dire que j'ai pas totalement quitté Carcassonne, je vous explique. Comme j'ai mes problèmes de tendons, je voulais pas repartir tout de suite sans être sûre d'en être capable. Donc je suis toujours à l'auberge de jeunesse de Carcassonne. En fait à Lavalette je vais prendre un bus, en plus les bus ici c'est 1 €. Pour retourner à l'auberge de jeunesse de Carcassonne, et lundi, donc après-demain, il n'y aura pas de vidéo, donc après-demain je vais retourner dans l'autre sens à Lavalette pour pouvoir continuer mon chemin. Alors pourquoi j'ai fait ça? D'abord parce qu'à Lavalette les logements étaient beaucoup trop chers. C'était moins cher de prendre le bus et de retourner à Carcassonne dans un logement pèlerin. Ensuite, l'avantage c'est que du coup, j'ai pris un sac à dos à demi chargé. Donc je pense que j'avais, avec l'eau, j'avais 7 kg aujourd'hui. Donc pour me réhabituer progressivement à marcher et à porter du poids, avant le grand saut lundi, quoi. Et donc ça va, tout s'est bien passé. La sortie de Carcassonne n'était pas ouf, mais bon, ça allait. J'ai traversé des banlieues pavillonnaires en fait, et là ici la dernière partie du chemin, ça c'était gai, on est le long d'un plan d'eau, le plan de Thor, avec comme vous le voyez une jolie pinède et tout, des murs, je me suis gavée donc ça c'était vachement sympa. Et le pied, ça va, c'est pas que c'est guéri ou que je n'ai plus mal, mais c'est redevenu comme c'était avant que je ne m'arrête, quoi. Donc en principe ça devrait aller et je vais pouvoir continuer. Donc je vous dis à après-demain pour de nouvelles aventures.